Bonsoir tout le monde, ça va bien? Mon nom est Jean-Sébastien Martin, je suis directeur général et artistique du Centre culturel Desjardins et il nous fait plaisir de vous accueillir ici ce soir. Surtout vous, les vrais de vrais braves qui êtes sortis malgré le froid. Bon, vous me direz peut-être un peu froid pour une soirée colombienne. On avait pensé presque à tout, mais à travers la COVID puis toutes ces affaires-là, on a oublié vraiment, on a négligé la température. Donc, excusez-nous pour ça, mais je pense qu'on va avoir des musiciens ce soir qui vont vraiment nous réchauffer le cœur. Permettez-moi avant tout de remercier certains partenaires sans qui ces soirées-là seraient impossibles. J'aimerais dire un grand merci à la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière. Également à la Ville de Saint-Gabriel-de-Brendon et son équipe qui nous accueille. Merci de nous accueillir dans un si beau décor. Également à la Pruche Libre, producteur avec qui on a travaillé ce spectacle-là, parce que faut comprendre que vous êtes les tout premiers à voir ce spectacle-là avec tous les artistes qui sont là. C'est un spectacle qui a été monté spécialement pour vous être présenté ici ce soir à Saint-Gabriel. Donc, on peut s'estimer vraiment très, très, très chanceux de ça. Il sera disponible sur le web dans quelques semaines également pour ceux qui voudraient le revoir ou le partager avec des amis. Donc, merci à toute la gang de Synopsis d'être là ce soir pour capter ces moments-là. Ce soir, en fait, ce qu'on vous propose, c'est un répertoire, en fait, qui était dirigé par Roberto Lopez, qui est un compositeur colombien qui est ici à Montréal et puis qui a décidé d'inviter plusieurs amis de la diaspora colombienne. Donc, ce sont tous des musiciens professionnels qui travaillent dans une multitude de projets et qui, ce soir, sont venus vous livrer ça, une soirée vraiment aux arts colombiens, avec essentiellement la musique de Roberto Lopez, mais il y aura également ses collaborateurs et amis qui vous livreront certaines de leurs compositions. Donc, gênez-vous pas, il y a de l'espace pour danser. Évidemment, on respecte les normes de distanciation et à cet effet-là, à la fin du spectacle, il y a quelqu'un de notre équipe qui va venir vous dire, si jamais là, on est un petit peu plus nombreux, qui va donner une séquence pour la sortie afin qu'on fasse tout ça dans les règles de l'art et qu'on passe à autre chose très bientôt. Et ce soir, bien, je vous souhaite une excellente soirée avec Sam, mon petit bonhomme, qui fait sa première apparition sur scène ce soir. Et toute l'équipe de Roberto Lopez. Bonne soirée, tout le monde.
Gracias. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Merci d'étoffer la température. C'est pas évident. Cet après-midi, les partitions partaient dans le vent. Nous, on a presque parti dans le vent, mais finalement, on est ici. C'est une chanson d'un grand compositeur colombien qui s'appelle Lucho Bermúdez. Celui-là s'appelait Fiesta de Negritos. Et là, on va continuer avec une de mes invités, un chanteur qui j'aime beaucoup, qui fait la musique colombienne avec une touche électronique. Je vous présente Ramón Chicharrón. Là, on va faire une chanson que lui a composée. Celui-là s'appelle Apretao. Muchas gracias, Ramón Chicharrón, Roberto López, in the house. Gracias. Oh.
Comme vous avez deviné, mes deuxièmes invités, c'était la troupe de danse. Et pour la prochaine chanson qu'on va faire, cette chanson s'appelle El Grito. C'est une chanson qu'on a fait collectivement, 72 artistes colombiens. On a tourné un vidéoclip que je vous invite à aller trouver sur YouTube. C'est une chanson et une œuvre de vidéo qu'on a créée en contestation à toute la situation politique en Colombie, parce que les gens n'ont pas le droit de faire la grève, de parler des changements, parce que le gouvernement ne veut pas écouter. Donc, on a décidé d'appuyer les mouvements de contestation, les réveils en Colombie. Et pour cette chanson, j'ai un autre invité très spécial, Stéphanie Osorio. Grande chanteuse colombienne, j'aime beaucoup. On va vous présenter. Sérieusement, si vous n'avez pas vu les vidéos, je vous invite à aller les voir. 72 artistes. C'est un processus très, très intéressant.
sueño que viví allá en la Guajira, Mayapo, Mayapo, ahí Dabalí, Mayapo, Mayapo. Une chanson qui s'appelle Mayapo. Et on va continuer avec une autre de mes compositions. Celui-là s'appelle Yo me voy. Thank you.
quand il fait froid. J'ai le goût de partir. C'est pour ça que j'ai écrit cette chanson. On va continuer avec une autre chanson de Ramon Chicharrón. Merci, 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 merci beaucoup. Muchas gracias, todo el mundo. Merci beaucoup de Etla. Merci beaucoup, Roberto López, por cette invitation. Même si fait très chaud ce soir, on est là. Ok, pour cette chanson, on va se réchauffer un petit peu. On va faire une petite chorégraphie très, très facile. Tantôt, on va expliquer comment ça marche. La prochaine chanson s'appelle Mi Querer. Et c'est une chanson qui a... que j'ai sorti l'année passée avec l'album Pescador de Sueños. Je vous invite à aller checker cette chanson sur YouTube. Elle s'appelle Ramon Chicharrón, le videoclip est vraiment drôle, vous allez voir. Ahí va.
Est-ce que ça va? Bon, la prochaine chanson, c'est la favorite de mes enfants. Celui-là s'appelle Sofrito. Qui ici sait c'est quoi un sofrito? Lève la main. Je veux voir qui connaît un sofrito. Bon, je vais vous expliquer. Les sofritos, c'est très simple. C'est la nourriture. On fait ça avec des oignons. On coupe les oignons très petites, les tomates très petites. On met ça sur la poêle avec de l'huile. Juste quand ça change de couleur et ça sent bon. Mais on l'utilise sur les plantains, sur la viande, sur les poulets. Et on a beaucoup ça en Amérique latine. Donc, pour la prochaine chanson, j'aurai besoin de tout le monde. Est-ce que vous êtes prêts à nous aider? C'est très simple. Vous savez juste qu'à crier « Sofrito !» Êtes-vous capable? OK. 1, 2, 3. Sofrito! OK. Plutôt ensemble. Une autre fois. 1, 2, 3.
Sofrito. La prochaine chanson, c'est une chanson que Stéphanie a écrite, que joue souvent avec son groupe Boomaranga. Donc, je vous invite à aller découvrir leur musique. Celui-là s'appelle Cumbia a la Cumbiambera. Bonsoir, bonsoir à tous. Est-ce que ça va bien? Super. Donc, on continue à se réchauffer un petit peu avec la musique colombienne. Est-ce que ça vous plaît? Super. OK, cette chanson, c'est une chanson qui parle un peu de qui décrit la musique, le folklore de cette région, de là où je viens, c'est la côte nord de la Colombie. C'est une cumbia. C'est pour ça qu'il s'appelle Cumbia a la Cumbiambera. La Cumbiambera, c'est la femme qui danse. Donc, c'est une chanson qui va décrire un peu les instruments, la danse, bien sûr, la Cumbiambera. Donc, pour vous, Cumbia a la Cumbiambera. Donc, si vous avez envie de danser, ben, levez-vous, vous pouvez danser sur place. Por dentro, al son que te bailas con toque es un viejo tambor. Te llama la gaita que cante que guapa enamora. Al macho que toque que pica en el gran amador. Se suma el baile guapachoso de una cumbiambera. Alegre y maraca se lucen en esta canción. Marcando su paso, sabrá su buena tambora. Mueve la cadera.
Gracias. Muchas gracias. On va rester dans la côte Caraïbe. On va faire aussi une cumbia que j'avais écrite. Et c'est une chanson que je suis allé faire les vidéos précisément à Cartagène, dans les petits villages de la côte Caraïbe colombienne. Et c'est une chanson qui vient d'être sélectionnée par les magasins Songlines pour l'édition qui vont sortir cette année à Womex. Donc voici Cumbiero. Oui. Thank you.
Gracias. Vous savez, je toujours regarde les continents américains et je me dis, le continent américain, c'est comme une île. On habite tous dans la même île. Qu'on habite en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, dans les îles. Finalement, on habite tous dans la même place. On est tous des Panaméricains. C'est pas grave si c'est le Nord, le Sud. On est tous ensemble. Et c'est pour ça que j'écris cette chanson. C'est une vieille chanson, ça vient de mon deuxième album qui avait sorti en 2009 et qui portait ce titre. Soy Panamericano. Andes y el Caribe, leyendas precolombinas, historias que nos exhibe, leyendas precolombinas, historia que nos exhibe. Soy panamericano.
Merci beaucoup, muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo la están pasando? ¿Es que el fe froid? No, ¿es que el fe chaud? Tampoco. Por la próxima chanson, c'est aussi un cumbia que s'appelle Cosita Linda. Ça fait partie de l'album Mere Cumbé que j'ai sorti dans l'année 2018. Para que bailen apretadito, despegadito. Ahí va. Uy, muchachos. Quereres, oveja, tú tienes, no sé ni de dónde vienes. Cosita linda, cosita de mis amores, oveja, tú tienes, yo pienso en ti día y noche. Ay, cosita linda, cosita de mis quereres, cosita de mis amores, a ti quiero darte flores. Ay, cosita linda. In the house, ahí va. Les gusta la cosita linda. Bon, on va continuer avec une autre chanson que j'avais écrite pour mon troisième album. C'est un album instrumental que j'avais fait avec les Afro-Colombian Jazz Orchestra. Et celui-là s'appelle En mi corazón. Thank you.
gracias, muchas gracias. Vous avez vu, on a fait de la musique de 2005, 2009, 2015, 2019, 2020. On va continuer avec une chanson que j'aime beaucoup, qui s'appelle La Buceta. Mais Stéphanie va nous expliquer pourquoi elle a écrit une chanson qui s'appelle La Buceta. OK, La Buceta, ça veut dire un petit autobus en Colombie. Donc, vraiment, cette chanson, je l'écris parce que, littéralement, j'étais dans un autobus en Colombie. C'est vraiment toute une expérience. Aller dans un autobus, c'est vraiment pas comme ici. On est à l'arrêt, on sort le bras. Là-bas, on sort le bras et une fois qu'on est dedans, on trouve plein de choses que c'est une vraie expérience. Donc, même pour demander l'arrêt, on ne va pas appuyer sur un bouton, on va vraiment dire « parada », on va crier. Et vraiment, ben, j'espère que vous allez aimer la chanson. Pour vous, La Buceta. Okay.
Muchas gracias. Merci. Et après, dans l'autobus, on descend dans la rue. Donc la prochaine chanson s'appelle « Por la calle ». A la fiesta más pegada de Cartagena, hoy con un invitado muy especial, Roberto López.
Voy con todas las buenas cosas. Ça arrive à la fin. Mais je choisis une très bonne chanson pour finir. Du grand compositeur Lucho Bermúdez. J'ai écrit un arrangement de cette chanson. Cette chanson s'appelle Plinio Guzmán. Cette chanson a une histoire intéressante. En Colombie, c'est très, très, très commun que les compositeurs écrivent des chansons à les personnalités politiques, à les personnalités de la vie sociale. Lucho Bermúdez, en faisant ça, a décidé d'écrire une chanson à Plinio Guzmán. Mais Plinio, c'était son médecin famille, que je pense qu'après, il y a eu des consultations gratuites. OK, voici Plinio Guzmán. Thank you.
Muchas gracias. Je veux pas voir personne assise. Tout le monde debout. Tout le monde debout. Là, je suis certain, certain que vous savez danser la salsa. Oui ou non? Ouais? Si vous savez pas danser la salsa, faites comme si vous saviez. C'est pas grave, faut bouger. On va vous laisser vraiment cette fois avec cette chanson de mon deuxième album. Celui-là s'appelle Ritmo Technicolor. Viene esta salsa dura con movimiento que...
laissez-moi vous présenter tous les musiciens. À la basse, Jairo Gomez. À la batterie, Sacha Daoud. Dans les percussions, dans les congas, timbales, Kuyak, Vijay Rojas. Dans les trombones, Mathieu Van Vliet. Dans la trompette, David Carbono. Dans la clarinette, Jean-Sébastien Leblanc. Mes invités ce soir, Stéphanie Osorio. Ramon Chicharrón. Les merveilleux danseurs et danseuses, Andrea Nino. Alonso, Carmen Ruiz. On a travaillé beaucoup pour mettre tout ça ensemble, mais on ne peut pas faire ça toute seule. Donc on a eu l'aide de notre grand metteur en scène, Wanderson Santos. Grand merci à toute la technique, à tous les gens qui sont ici, qui ont monté cette scène, qui ont travaillé fort aujourd'hui avec les vents. Grand merci au Centre culturel des Jardins pour l'invitation. À la Pruche Libre, grand merci à Musique Action pour l'appui. Grand merci à toutes vous autres qui sont venus partager cette soirée avec nous autres. Muchas gracias. Mais on ne peut pas oublier les doigts ce soir, Roberto López. Gracias. Bon, s'il y a quelqu'un qui veut des CD ou des vinyles, venez me voir. Muchas gracias. Buenas noches y nos vemos en la próxima. We'll be right back.